Chaque famille, partout en Saône-et-Loire, peut un jour avoir besoin de la solidarité collective. Le département agit. Le département agit en faveur des personnes connaissant des difficultés ponctuelles ou des difficultés persistantes. C'est ainsi que nous accompagnons à la fois les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes âgées, mais également les personnes ayant besoin d'un secours financier ou d'un accompagnement social. Le département continue bien évidemment de travailler en direct ou avec ses partenaires pour fournir un accompagnement, je dirais, humain. Mais nous nous orientons également vers un développement des nouvelles technologies, puisque de plus en plus de personnes souhaitent rester à leur domicile et nécessitent effectivement un accompagnement en termes domotique. Il nous a semblé important au niveau de notre département de pouvoir fournir une information à l'ensemble de ces populations afin qu'elles puissent connaître les réponses susceptibles d'être apportées à leurs besoins. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avons envisagé la mise en place d'un salon, le salon Évoluvie. Avec l'ensemble des élus et de nos partenaires, donnons-nous rendez-vous au salon Évoluvie.